Bonjour, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Archive Télé et aujourd'hui on va parler de Fort Boyard. On va parler plus précisément des épreuves cultes du jeu d'aventure de France 2, qu'elles soient spectaculaires avec des personnages ou alors qu'elles aient subi un véritable lifting. Retour sur les épreuves de Fort Boyard les plus marquantes de ces 35 ans et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique! Fort Boyard a démarré le 7 juillet 1990 sur Antenne 2. L'émission a évolué, a vu ses animateurs changer, le regretté Patrice Lafont décédé cet été, Jean-Pierre Castaldi et puis depuis 20 ans Olivier Mine, accompagné puis seul depuis 2009. Le cœur du jeu c'est évidemment les épreuves, c'est l'occasion donc de revenir sur les épreuves les plus cultes de Fort Boyard. Et qui dit épreuve dit forcément le père Fouras. Si aujourd'hui c'est lui qui est l'inventeur des épreuves, à l'époque c'est lui qui ouvrait l'émission avec la question dans la vigie. C'est une épreuve mythique où le physique n'a rien à jouer là-dedans. Enfin presque, puisque si le candidat ne trouve pas la réponse, le vieux sage envoie alors la clé par la fenêtre et l'envoie dans la mer et un membre de l'équipe doit plonger pour la récupérer. Vous pouvez d'ailleurs vous mesurer aux vraies énigmes du père Foura dans plusieurs vidéos disponibles sur ma chaîne YouTube. Vous savez que pour obtenir cette clé qui vous ouvrira les deux premières portes vers l'aventure, vous devez répondre à cet énigme. Un ami et moi avons vu le jour au même instant. Pourtant, même lorsque nous étions ensemble, nous n'avons jamais célébré notre anniversaire en même temps. Pourquoi ? Un ami et moi avons vu le jour au même instant. Pourtant, même ensemble, nous n'avons jamais célébré cet anniversaire en même temps. Vous êtes un animal ? Parce que vous êtes un animal ? Non, trop tard. Parce que mais au même instant. Mais sous des cieux différents, le décalage horaire fait que notre anniversaire est décalé d'une journée. Si on parle d'une épreuve qui était là dès la création du fort, c'est le tuyau transparent, une épreuve génératrice de prisonniers destinés aux femmes, plutôt fines et qui ne sont pas claustrophobes. La candidate doit en effet progresser en rampant dans un long tuyau transparent qui tourne et qui monte, la clé se trouvant au bout de ce fameux tuyau. Durant l'ascension, elle peut céder des petits trous dans la paroi pour lui permettre accessoirement également de respirer. Une fois la clé récupérée, il lui faut alors faire le chemin inverse pour ressortir du tuyau. La technique est de progresser sur le ventre lors de l'ascension et d'adopter une position sur le dos pour le retour. Lors de sa création, cette épreuve était une véritable prouesse puisque le plexiglas n'existait pas encore et donc faire un tuyau transparent n'était pas chose évidente. Finalement, le jeu était l'un des plus graphiques et des plus visuels au lancement du fort. Le taux de réussite en 64 participations est de 67%. Regardez ce que ça donne en image. Allez, Alix, c'est bien parti! Non, là, il faut simplement l'encourager à aller plus vite. Ouais! Le plus vite possible, parce qu'il faut revenir. Voilà, et se servir. Il y a des petits trous dans le tuyau, de servir des petits trous pour céder. C'est bon, Yann! Continue! Panique pas surtout! Voilà! Voilà! Voilà, c'est bien! Elle avance bien. Elle. Ouais, mais elle n'est pas au bout encore. Hein. Elle est... ouais. Tu vois, regarde, elle est encore un peu au bout de chemin. Elle revient par les tuyaux ? Elle revient par le même chemin, oui. Oh là 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 là. Dépêche-toi, Annick ! Dépêche-toi ! Là, elle ralentit terriblement. Accélère un peu plus ! Yann ! Va bien avec toi ! Tu y es ! Voilà. Ça y est ! Voilà. Alors maintenant, il faut qu'elle redescende par le même chemin. Par le même chemin !
Cette cellule aura le droit à une version remake entre 2011 et 2018 qui se jouera dans le noir et qui sera renommée L'Égout, avec un taux de réussite de seulement 27%, donc cette épreuve était plus compliquée que la première. Seuls les plus anciens ou les plus connaisseurs de Fort Boyard vont connaître l'arbre à clé. Cette épreuve n'est pas tant compliquée physiquement, mais plutôt une épreuve de patience, plutôt simple. Au centre de la cellule se trouvait une structure représentant l'allure d'un arbre. De nombreuses boules en métal y étaient alors accrochées, telles des fruits. La clé se trouvait dans une de ces boules. Le candidat doit alors donc cueillir pour ouvrir en faisant attention à ne pas ressortir avec une fausse clé. Cette épreuve a été jouée près de 13 fois et un taux de réussite de 77% avec seulement 3 échecs. L'arbre à clé. Alors le problème c'est que bon, il faut pas trop le secouer, les clés sont toutes mélangées. Faut pas le secouer comme un poignet. Alors c'est pour un homme ou une femme éventuellement. Allez, Sainte, vas-y. Allez. Allez. Petite Sainte, tu ramènes la bonne clé, hein. Allez, vas-y. Il faut bien. Regarde. Qu'est-ce que tu vois là? Alors, Jean-Marie, un conseil. Il y en a qu'une qui est. Tu vois la clé? C'est la clé où il y a, sur laquelle sont inscrites les initiales du Fort Boyard. FB. Bon, Jean-Marie, il n'y a qu'une clé qui est bonne. Alors, tu les scoupes pas pour pas qu'elle. Il y a une clé avec les initiales Fort Boyard, FB. Ok. Alors, elle a pas intérêt à les faire tomber parce qu'il regardait en bas, partout. Donc ouais, si elle se mélange, elle aura du mal à les faire tomber. Surtout pas tomber. Une seconde version de cette épreuve verra le jour la saison suivante avec une structure modifiée et une petite indication seulement de FB sur l'une des clés avec une très faible lumière, ce qui rendait le tout complètement barjot. Nouvelle archive maintenant, depuis 2022, on connaît le débarras de Cyril Ferraud, mais saviez-vous qu'il existait un autre débarras entre 1999 et 2004 ? Dans cette épreuve sous forme de taquin grand format, où des dalles sont ici remplacées par de lourdes caisses, la clé est prisonnière d'un étau, mais celui-ci a perdu sa manette de serrage. Celle-ci se retrouve attachée à un tonneau à l'autre bout du débarras. Le candidat va donc devoir amener le tonneau jusqu'à l'étau en bougeant les caisses, en devant éviter les tonneaux avec une tête de mort dessinée dessus puisqu'elles sont fixes. Le tonneau ramené devant l'étau, le candidat peut alors utiliser la manette de serrage pour desserrer et ainsi récupérer la clé. Voilà. Déjà, faut rentrer. Ouh là là. Voilà. Ah, alors, elle t'a fait peur la bohémienne ou... Ah, mais comme il y avait une chance de lui. Voilà, Luc. Ouais, super. Luc, j'ai qu'un conseil à te donner maintenant, c'est dépêche-toi. Voilà. Elles sont beaucoup trop lourdes, ils ne pourraient pas les soulever. Allez, ouais, super. C'est les oratoires là, ramène-les voilà. Au fond. Allez Luc, on croise. Voilà. Il va nous ramener. Il va nous la ramener, Luc, voilà. Allez, allez Superman. Voilà, fais le décalage, voilà. Remets-les bien en place. C'est bien, c'est bien. Ouais, Luc, allez. Vas-y. Accélère un peu. Alors, est-ce qu'on voit l'étau? Ah, c'est pas évident, ça. Luc ! Ouais ! Mets-toi près des caisses, comme ça tu les pousses plus facilement, là t'es bloqué par le tonneau. Vas-y, continue. J'ai rien compris, c'est pas grave. Vas-y, continue. Mets de l'huile ! En fait, tu vois, voilà, il faut que tu remettes... Ouais, c'est bloqué, après. Il faut que tu remettes les caisses bien en place, Luc, écoute-moi. Ouais ! Il faut que tu remettes les caisses bien en place, sinon tu pourras pas faire bouger les autres. Ah, d'accord. Celle qui est derrière toi, elle est pas bien mise. Ok. Voilà. T'as le temps, Luc, vas-y. Il a le temps, il est pas tout prêt quand même, hein. Oui, voilà. Allez, Luc, un petit effort. Il a pas autant de temps que ça. Allez, plus vite, Luc. Celle-là, elle bouge pas. Elle bouge pas, celle-là. Putain, je suis mal. Mais ouais, il est pas... Elle bouge pas. Il est pas bon du tout, là. Il est pas bon du tout, il est coincé, là. Comment tu veux que je la passe? Tu peux rien faire, là, il faut que tu ravances l'autre, là. Eh, pas évident de votre affaire. Il faut qu'il refasse le parcours dans tout l'autre sens. Il faut qu'il reparte, tu vois. Qu'il refasse complètement le tour. C'était de l'autre côté qu'il fallait partir. Ben, il n'y a pas de côté. A priori, on peut partir de partout. Mais les enfants, j'ai l'impression que cette clé-là, on ne va pas l'avoir non plus. C'est pas vrai. Allez, Luc, c'est bon, sors. Sors. Luc, sors.
Il faut savoir que seulement une femme a réalisé cette épreuve au final. 8 échecs et 8 réussites ont été enregistrés. Cette épreuve sera réadaptée avec le taquin marin, une version sous-marine de cette épreuve, entre 2007 et 2011. Enfin, il faut savoir que les caisses qui constituaient le décor sont réutilisées dans plusieurs autres épreuves, comme le cadeau empoisonné, la version de Noël de l'émission, ou encore dans l'épreuve apnée. Partons maintenant en 2003, c'est l'une de mes épreuves préférées dont je vais vous parler. Cette épreuve m'a fasciné quand j'étais plus jeune, alors la voici, elle s'appelle Spéléo. Pour cette aventure, le candidat est habillé en spéologue et est équipé d'un casque et d'une torche. Il débute l'aventure sur la passerelle, puis il enjambe la rambarde et pénètre alors dans une galerie grillagée qui doit descendre en rencontrant au passage les tigres. Il se retrouve alors sous la salle du trésor. Son équipe restée sur la passerelle doit se relayer pour actionner la dynamo afin de lui fournir de la lumière. Il emprunte alors un souterrain très étroit à quatre pattes en rampant, en déblayant des pierres qui obstruent le tunnel à différents endroits. Il arrive au bout du souterrain et doit alors se retrouver dans une salle où, à l'aide d'un marteau, il doit casser une roche et récupérer l'indice qui se trouve à l'intérieur. Dit comme ça, ça paraît d'être une véritable expédition et ça l'était, regardez chien. Vas-y. Allez Eric, allez Eric. Bonne chance, ramène-nous un deuxième indice. Eric, bonne chance. Ce serait trop gentil de ta part. Allez Eric, allez. Alors on va l'encourager tant qu'il est dans la cage, parce que là il peut nous entendre. Une fois qu'il sera dans le tunnel, il pourra pas nous entendre. Une chose très importante, c'est cette dynamo, d'accord, que vous allez devoir tourner pour fournir à Eric l'électricité nécessaire afin qu'il puisse s'éclairer. Alors je sais pas, Hicham, tu veux te coller à la tâche. Vous pouvez vous relayer, hein, dès que t'es fatigué. Dans le temps, vous... Voilà. Alors dès que t'es fatigué, je sais pas, tu pourras demander à Xavier, à Natacha, on va la laisser tranquille, Sylvie aussi, ou à Séverine, d'accord? Alors vas-y, non, on commence à tourner, parce qu'une fois qu'il... On va pas vraiment savoir à quel moment il va rentrer dans le tunnel, parce que là, on ne le voit plus. Donc ça y est, là. Non, il nous entend plus. Alors, à défaut d'encourager Eric, on peut encourager Hicham. Ouais. Ça te rappelle la Doria hier avec la petite gouttière qui a bien rafraîchi Sylvie. C'est ça, Hicham? Bon, ça y est. Bon, Xavier, prends le relais, voilà. Très bien. Il est tout devant et c'est... Non, on ne peut pas lui dire malheureusement, mais il ne s'occupe pas de ce qu'il doit faire. Mais il va vite le comprendre, hein. Quand il n'arrivera plus à avancer, il aura compris que c'était pas là où il fallait mettre les pierres. J'espère qu'il va nous ramener ce deuxième indice. T'es confiante, Séverine? D'accord. Allez, vas-y, Séverine. Allez, Séverine, allez. Allez, la plus lumière. Ah oui. Si tu arrêtes de tourner, il n'y a plus de lumière, hein. Incroyable. Il peut passer aspirateur avant d'envoyer les gens. C'est vrai quoi. Pas humain. Jamais, tu vas suivre maintenant et tu vas te préparer plutôt pour la prochaine aventure. Bonne chance à toi. Allez, allez, vas-y. Oui, progresse. Bien là ou... Pour l'instant ça va, mais c'est vrai qu'il aille plus rapidement quand même. Je ne sais pas lui dire. Allez. Il a l'air fatigué, essoufflé. C'est un effort considérable. Si plus on est costaud, je pouvais me pousser du haut. C'est vrai qu'on n'a pas choisi le plus maigre d'entre vous pour le faire. Non pas Eric, sois gros. Il est costaud, mais il est costaud. Mais il débrouille bien. Il débrouille très bien. Alors là, j'ai le sentiment, je ne suis pas sûre, mais qu'il arrive sur les tables, là. Presque. Presque à la fin du tunnel, presque. Hein. Il déroule bien le câble, il garde bien sa petite loupiote. Il est à la fin du tunnel. Ça y est, maintenant il arrive. Alors maintenant il va devoir casser une pierre. Et l'indice est dans la pierre? Ouais. Exactement. Allez, voilà, il la casse. Allez, il vient de parcourir 25 mètres. Ça va. Et voilà. Ouais. Génial.
bon, alors en plus d'être l'épreuve la plus visuelle, c'est une prouesse matérielle de pouvoir faire cette épreuve. Les équipes de production ont pour la première et la seule fois ouvert et réalisé une épreuve dans la citerne située sous la salle du trésor, complètement vidée d'eau. En 3 ans, elle a été jouée seulement 6 fois, tellement c'était compliqué de réaliser cette épreuve, et elle a été l'une des plus dures avec seulement 2 réussites. Cette épreuve n'a pas été jouée en 2004 et sa dernière apparition date de 2005. On reste dans la même période avec les balles de coton, une épreuve qui est restée très longtemps sur le fort, puisqu'elle est restée entre 2003 et 2014. Elle a été jouée seulement 28 fois, mais avec seulement 36% de réussite, elle a fait presque 15 prisonniers. En effet, immédiatement après être rentré dans la cellule, une grille bloque alors la porte et le candidat se retrouve prisonnier d'office. Il doit absolument retrouver la clé pour sortir de cette épreuve. Au fond de la cellule se trouve un filet suspendu. Le candidat entre alors dans ce filet afin d'en éjecter les ballots en mémorisant bien les noms des villes inscrits dessus. Cela lui sera utile plus tard. Il trouve alors au fond du filet un coffret contenant malheureusement non pas une clé, mais un indice du style « la clé est en route pour San Francisco ». Il lui faut alors retourner tous les ballots en question, et c'est là qu'avoir mémorisé les ballots précédemment sortis du filet lui est très utile, puisque ça lui fera gagner beaucoup de temps. Le ballot retrouvé lui ouvre alors un petit boîtier qui lui indique une nouvelle destination. La clé se trouve en temps normal dans le boîtier du quatrième ballot. Le candidat peut alors déverrouiller la grille qui bloque la porte et enfin sortir de la cellule. Là aussi, c'est tout un périple. Allez. Un qui parle là, parce que ouais, c'est une cellule où il peut être prisonnier. C'est-à-dire, Arnaud, tu te mets contre la porte, la clé qu'il va récupérer va lui servir allez, également à se libérer de cette cellule. Donc c'est très important qu'il la récupère. Qu'il sorte tous les ballots, tous les filles, pour regarder bien tous les noms qui sont inscrits d'accord sur les ballots. Là, par exemple, il y a écrit Mexico. D'accord. Dites les hautes voix. Mexico. Ça vous servira. Mexico. Oui, alors, continue. Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu où était la clé, Jean-Luc? Je sais pas. Non, au fond. Tout au fond, il y a tout un petit fond, coffre. Tout au fond, il y a un petit coffre. Il faut qu'il ouvre. Vas-y, vas-y, Jean-Luc, sois en France, c'est bien. Donc, qu'il se dépêche, vraiment. Là, pour le coup, on peut pas, rentre on peut dedans, pas perdre de temps. Pas une seconde, qui sort tous les ballots. Okay. Balance tout. Voilà. C'est bon? La clé est en route pour Mexico. Mexico, il est signé dehors. Mais Mexico, c'était le premier, oui, le premier. Dépêche-toi. Voilà, je te touche, je te touche. Ouais! Et bon, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, vas-y! Vas-y, Jean-Luc! T'as le temps, c'est bon! Bangkok! Bangkok! C'est où Bangkok? Bangkok! 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 Mexico! À gauche, voilà, tu l'as, regarde devant toi, voilà! Oui! Très bien! Génial! Super, Jean-Luc! Là, t'es bien dans le temps, t'es bien dans le temps! Il est bon, il est très bon! Il fait ça très bien! Quelle sérénité! Vas-y, Jean-Luc! Allez, allez! Recouvert, recouvert. Recouvert, il est pas sorti. Il est pas sorti, dépêche-toi, il faut qu'il rentre dans le panier, allez, qu'il ressorte les ballots. Aidez-le vraiment. Il rentre dans le panier. Rentre dans le panier, regarde bien, avant de sortir ce qui est marqué dessus, ce qui est recouvert, non? Parce que trois prisonniers, ça fait beaucoup, hein, quand même. Allez. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Captain, non. La main qui l'a balancé, j'ai pas vu. Non, je crois. Ah, d'accord. Voilà. Est-ce que tu le vois, recouvert? Non. Mais c'est quoi? Il est venu. Allez, Jean-Luc. Je les vois même pas. Je sais que c'est dur. Non. Qu'il se dépêche maintenant, regarde. Parce que maintenant, le temps qu'il récupère ça, la clé, qu'il ouvre la porte, qu'il sort du panier. Trop tard. Il faut lui dire. Non, non, c'est pas assez. C'est bon. Jamais trop tard. Mais alors, là, il faut que tu l'as. Attends, laissez le faire, il est dessus. Il est dessus, Jean-Luc. Il est dessus, Jean-Luc. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Génial. Elle a regardé. C'est bien joué. Génial. C'est super. Vas-y, vite, Voilà. Vite, voilà. C'est bon, Pour l'anecdote, le ballot de coton est fixé à d'anciennes grues du fort, une structure historique permettant de décharger les marchandises sur le fort à l'époque où le fort était une prison. En 2011, lors de la nouvelle ère du jeu, le décor de cette cellule est alors revu. Cette dernière arbore un décor de jungle avec une porte recouverte de mousse et de lianes, cellule envahie également par la végétation à l'intérieur. Voilà en tout cas pour cette nostalgie. Une épreuve bonus sera disponible uniquement sur TikTok et sur Instagram ce dimanche, donc n'hésitez pas à aller vous abonner pour en connaître encore plus sur les épreuves du fort.
si vous voulez une deuxième partie sur les épreuves cultes de Fort Boyard, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et sur quelle épreuve vous voudriez que je réalise cette vidéo. Voilà donc en tout cas pour cette vidéo qui touche donc maintenant à sa fin. Si cette vidéo vous a plu et informé, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi, tous les liens sont dans la description, et donc particulièrement sur Instagram ou TikTok pour l'épreuve bonus de ce dimanche. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre juste en dessous afin de prendre un petit abonnement de 3€ par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir et ça me soutiendra au niveau de l'algorithme. Dans la description vous retrouverez également les liens pour Jason alias Alan Scott qui a réalisé la musique de fond de cette vidéo, et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao ciao.